Bonsoir, nous bulletin pour sa deuxième jour 2019. Nous commençons avec un grand titre. Ministère Finance annonce plusieurs changements au sujet frais taxes qui expectés en an au cours salonné. Et l'organisation non gouvernementale Unique Foundation y récompense plus que 200 enfants de pralin pour leur participation dans plusieurs activités qu'ils ont une prend par là-dedans pendant l'année 2018. La Somalie gouvernement une pousse envoyé spécial Nations Unies dans sa pays et au moins des officiers Nations Unies nous ont dit qu'ils ont blessé dans l'attaque par un militant islamiste côté base Nations Unies Mogadiscio. Nouvelle en détail à présent. Avec un nouveau l'année qui a commencé, le ministère Finance annonce plusieurs changements aux sujet frais de taxes qui expectés en an au cours de l'année. Ça est tel qui taxe le frais de la douane, concession carburant pour un opérateur business, tourisme et l'augmentation taxe le bon produit tabac. Prenons compte qu'il s'abonne bon produit pour à présent capable de taxer indirectement. Le 5 novembre l'année passée, par le discours Bidze, ministre responsable pour finances, Maurice Rousteau-Lalanne, a annoncé qu'il expectait une plusieurs révisions de taxes et frais la douane sa l'année. À partir de ce mois, la paie minimum est montée par 5%. Ça qui est 33 ou 30 sous par temps, pour 34 ou 97 sous par temps. Pour les travailleurs journaliers, qui est 38 ou 38 sous par temps, pour 40 ou 30 sous par temps. La paie pour les home carers aussi est montée par 5%. L'autre bénéfice qui a augmenté est la sécurité sociale et l'assistance des habilités. Il sortit 5 050 roupies pour 25 250 roupies. Bénéfice l'enterrement est aussi augmenté par 300 roupies, sorti 1700 roupies pour 2000 roupies. Et à partir d'avril, le travailleur secteur public est expecté voir l'augmentation de 5% de son salaire de base. 15% taxe valeur ajoutée nous aussi tiré le temps de boîte qui fait localement. Et boîte tonne l'eau qui normalement coûte environ 15 roupies, il coûte environ 12 roupies 75 sous. Et boîte tonne l'huile qui normalement coûte environ 16 roupies 50, il coûte environ 14 roupies. Quant à cigarette, il y en a plus taxe encore qui peut mettre l'eau là. Gouvernement impose taxe 10% de tout produit tabac, tel que cigarette lui-même et cigare qui soit importé ou bien fait localement. Une boîte de cigarettes qui normalement coûte 56 roupies pour coûter 64 roupies. À partir de l'année, le gouvernement peut aussi réduire la taxe concession pour les carburants qui ont un business qui bénéficie du Tourism Incentives Act, TIA, tel qu'un opérateur bateau, business plongé et guide tourisme y gagne. Concession pour sortir 50% pour venir 25%. Mais à partir de 2020, pour n'a pas dit tout bénéfice concession pour un business en TIA. Même pareil pour service hélicoptère. Concession taxe le carburant peut réduire sorti 25% pour venir 12,5%. Lui aussi à partir de 2020 pour n'a pas dit tout bénéfice concession. Et des efforts pour encourager production et consommation de produits locaux, à partir de ce gouvernement augmente frais la douane dans la viande porc et poule importée. Pour la viande porc, à part sa 15% taxe qui est déjà en an, gouvernement n'a sous 3 ou pi. Pour la viande poule qui ferait la douane auparavant 15% taxe et 5 roupies par kilo, il présente 15% taxe et 5 roupies 92 sous par kilo. Sa l'augmentation ferait la douane pas applicable au bon pays qui se serie dans l'agrément commerce libre avec ou bien free trade tax. Ça est tel qui bon pays SADC et l'Union européenne. Il y a des enfants à l'école, le pralin qui participent activement à des activités non académiques au niveau de l'école et communauté, soit de bonnes compétitions ou soit ils ont démontré leur talent pendant l'année, ils ont récompensé. C'est l'organisation non gouvernementale Unique Foundation qui base le pralin même qui fait sa présentation avec ses bons enfants et ils ont présenté avec bon certificat. Plus qu'il descend sur enfants pralins, qui soit d'autres servis dans d'autres églises, ou bien qu'il participe de bonnes activités extrascolaires qu'aux autres écoles, tu gagnes récompensé. Il y en a aussi ban qui participent au niveau communauté, qui tu gagnes reconnaître. Unique Foundation organise cette activité pour commémorer son 4e anniversaire depuis qu'il est enregistré comme une organisation non gouvernementale avec bi promote positivité de bonnes zènes et aide d'autres reconnaître et développe d'autres talents. Mon aime, six étoiles qui peut briller. Beaucoup filer, on a beaucoup d'espoir. Faudrait nous prendre toute l'opportunité qui nous gagne.
Développe nos talents, pas commis, pas cachés, aller devant et participer. C'est ça qui pour nous, chaque individu, pour nous développement personnel. Ça y est mon message pour tout monde. Ça l'année plutôt nous accomplissement pour là nous ca démarrer avec beaucoup d'activité avec bonne l'école quand nous fait bonne présentation participe de bon workshops travaille ensemble avec elle au côté résilience promote positivité de bonne assemblée contre l'école pour nous bonne zen oise potentiel et qui la vie en a beaucoup pour faire nous besoin apprécier la vie qui nous en a et finalement avec ça pose positive youth development contre nous bonne zen en ca forme ça ben et nous pour continuer l'année prochaine le même note pour nos trois main focus areas c'est mentorship youth positive youth development en général et en même temps pour nous peut identifier bon des monde qui ca continuer travailler avec nous bonne zone côté communauté parallèle à cause de community based organization. Tyrone Adelaide qui fait finir 5 et qui n'a gazé de bonne activité que Unique Foundation a organisé pendant sa dernière 10 ans. Tu racontes nous qui m'a hier une développé académiquement et aussi bonne activité extrascolaire et qui plan y en a pour l'avenir. Tous les temps pour secondaire qui ont fait demander mon carré tous les trois sur ça qui bon Dieu m'a sous mon pensant même et mon focus là. Mon ambition c'est venir ambassadeur pour mon pays c'est et moi connais qui pas point en la route facile il est difficile pour moi et mon poucha mon baisse qui est zoom aussi maman comment elle sont ambassadeur pour ceci parmi ban qui tient un certificat ti ban qui une santé dans l'église ban qui font partie différent la chorale de ban paroisse le pralin qui participe de la compétition santé danser et les autres formes là au niveau national et aussi ban zen qui développe d'autres connaissances et talents en musique et qui font partie band Island Youth. Il y en a plusieurs petits business qui nous ouvert la porte avec clients pendant le mois de décembre. Parmi, il y a une cafétéria qui trouvait l'Olari Kensi et une boulangerie dans l'ancien ZAR des enfants. Cafétéria les rendez-vous et une nouvelle attraction l'Olari Kensi. Sa cafétéria est prose avec Topendo et capable d'accommoder une trentaine de clients. C'est un cafétéria dans la ville Victoria qui n'inspire bon directeur pour l'ensemble de sa business. Vous êtes à tous aussi venus à côté de tout à l'heure, je vais vous parler de la parole. Dans cette inspiration, je viens de qui me dit, why not, we nous faire quelque chose, nous faire faire bon tour, sentir quelque chose pour nous. Ouais, je peux assister, je peux enjoy la vie, c'est celle-là qui débarque le bus stop. Parce que quand c'est tout, il sorti dans le nord, il débarque le bus stop 15 qui existe là à côté. Au présent, la meilleure idée de commencer. Ce qui est intéressant avec sa cafétéria, c'est son décor, un mélange modernité et traditionnel. De sa côté tradition, là, il y en a un bon portrait, Meb, qui raconte un peu l'histoire de la ville Victoria. En fait, ça nous lui-même le rendez-vous. Il fait beaucoup revivre sa époque, dans l'année 70. Là, c'est l'endroit qui te donne balle. Les rendez-vous, nous décidons de prendre ça non, à cause de 1971. C'est un bar night club qui appelle les rendez-vous ici, dans sa propriété. Et tu as fréquenté bon du monde qui est un peu plus vieux que nous. Et tu es vraiment populaire. Et tu as une bonne band pareil, Sadel X5, qui est venu jouer là. Après, tu as un mariage aussi que tu as fait ici. Alors, nous avons décidé de revivre sa name, pour servir sa name, pour continuer along that line. Écoute, sa cafétéria, il y a aussi un souvenir, c'est en vente. Un peu plus en dehors de la ville, côté ancien ZAR des enfants, il y a une nouvelle boulangerie qui nous fait et la client est capable d'apprécier un variété de gâteaux et de pains. Saint Business, c'est pour Madame Muriel Diwals. Lancement officiel Saint Business, c'est fait pendant une petite cérémonie l'année passée. Elle n'est pas facile, elle n'est pas un restaurant, besoin de faire c'est pour du keep standard. Ça pour qu'ils nous vendent, nous besoin d'un petit séloir valet pour son argent. I'm happy to start a new venture, comme si un nouveau aventure pour mon cas faire mon bakery the best of qui mon capable à ça c'est chez moi mon stand alone et mon père faire mon bakery pour moi de façon que tout le monde est happy avec produit qui nous voyons nous autres. Produit nous nous menons sorti mon la farine sorti la France nous servi bon produit français mostly.
Mon souhait est que quand tu te dis mon Dieu, c'est fini pour acheter avec nous à cause du produit. Bon, nous vendons là derrière box to box. On a nos conteneurs là, on a la table, nous mettons pour nous carquer. Bon, c'est mon qui a les mains un petit gâteau tranquille. Madame Diwal s'est dit qu'il y en a plein pour à présent ouvrir une autre boulangerie de Normaé et aussi une Providence. Il y a une quantité macro mode pour la PSB aujourd'hui. C'est un dimanche qui tu vois ce bon macro qui t'informe nous bonheur après-midi. Il va faire première fois qui beaucoup poisson si tout macro et carang entré dans la baie Saport en grand quantité un seul coup et ça ici tout pendant mois janvier. Je rappelle qui en janvier 2016 une quantité gros carang balot entré dans la baie pour la pêche Bellom et est facile pour bonne pêche et les autres individus attrapent autres. Chess après deux rounds champion Banzoé amateur qui peut faire Namibie Banse Seloa il donne bon résultat dans compétition pour bonne femme Derica Figaro il voit aller troisième le classement général après deux victoires tandis qu'ils ont André Stratonovic lui aussi pas encore perdu il réussit des matchs draw sa compétition amateur qui commence dimanche. De catégorie rating en bas 1700 points, Derica Figaro a résisté deux victoires. De premier round, Figaro a battu Namibie Magdalena Valombola en 0. Et de deuxième round, hier, il connaît l'autre victoire contre l'autre Namibie Nicolas Jaronda en 0. Un joueur qui aussi en un titre Women Candidate Master Paris Derica. Après deux rounds, Derica Figaro est troisième au classement général, égal au deux points avec leader Zambien Constance Membata et Penanina Nakabo sorti Uganda. Joueur Namibien qui quatrième, Rauna Shipindo, et aussi en un deux points. Les autres quatre qui dominent le classement. De troisième round, aujourd'hui, Derica Figaro pour contrer Rauha Shipindo. Et le côté Banzom, il y en a 9 pays qui peuvent participer. Là, André Stratonovic qui peut représenter Cécile, il connaît deux matchs de jour. Védine amasse la moitié près de tous les matchs. Le premier round, il y a contre Botswana, Gouda Bayani. Et après, le deuxième round, il y a contre Namibie Dantes Biokez. Le troisième round, aujourd'hui, André Stratonovic pour jouer contre Chiletso Chipanga, sorti Malawi. Le classement général, André Stratonovic est dixième après deux rounds dans sa tournoi amateur, le 1 point. En fait, il seulement 10 un point par derrière le bonne sud-africain qui prédomine le classement. Voilà, c'est là aussi que nos bulletins sont terminés. On voit un grand titre qui fait sa bulletin. Il y en a plusieurs mesures que le ministère finance a annoncé qui entrent en force là, commencement sa mois. Une organisation non gouvernementale, Unique Foundation, y récompense plus que 200 enfants locaux pour leur participation dans plusieurs activités qu'ils ont été pour parler pendant l'année 2018. La Somalie, gouvernement, y pousse envoyé spécial Nations Unies dans sa pays et au moins des officiers Nations Unies nous ont dit qu'ils blessés dans l'attaque par militants islamistes côté base Nations Unies Mogadiscio. Voilà, nos bulletins terminent là. Pour qu'ils suivent, merci. Jusqu'à la prochaine fois.